Bonjour, papa. Comment vas-tu, mon fils ? Je vais bien. Dis-moi, mon garçon, c'est à quelle heure la réunion ? 9h30. 9h30 ? Oui, okay. Papa. Tu sais à quoi je pensais ? J'espère qu'ils ne te sentent pas incompétent pour te remplacer, eh bien, parce que, tu sais... Écoute, ils vont te donner l'impression de vouloir me remplacer. Mais crois-moi, personne ne me remplacera. J'ai confiance en toi, papa. Merci beaucoup, mon garçon. De toute façon, je te ferai le compte-rendu de la réunion et tu donneras ton point de vue. Super, super. Il est déjà 7 heures passées, mon garçon. Et ta femme est encore couchée ? Oui, papa. Il a toujours quelque chose à dire, ce vieux. Oh. Tu n'as rien d'autre à faire ou quoi ? Mon cher beau-père. Allez, pose-toi. Bonjour, Sacha. Bébé. Sacha, ne lui parle Écoute, pas ainsi, Écoute, Désel, c'est entre ton père et moi. Sacha, mon problème est que je ne veux pas d'une belle fille paresseuse dans ma maison. C'est tout ce que j'ai dit. Et toi, tu prétends être un bosseur. Tu as plus d'argent que nous. Calmez-vous, les gars. Allez, je vais au travail. Ok. À plus tard, papa. S'il te plaît, Sacha, pas de provocation, ok? Laisse le vieux tranquille, d'accord? C'est à lui qu'il faut parler, pas à moi. Allez, passe une bonne journée. Papa, apportez-moi s'il te plaît, le petit déjeuner. Oui, papa, d'accord? Oh, ne t'en fais pas. Je peux avoir mon petit déjeuner? Mon petit déjeuner! Regarde ça, c'est assez facile, c'est pas compliqué du tout. Il s'agit juste de mettre le code du produit. Tu n'as qu'à taper entrée et c'est tout. Mais je ne comprends pas. Mais c'est pas compliqué du tout, je te dis. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, madame. En fait, je suis en train de montrer comment... Tu es en train de montrer quoi? Vous vous croyez dans un centre d'apprentissage? Non, madame. C'est ce que tu fais? Désolée. Tu laisses ton poste comme ça? Non, je suis désolée, madame. Désolée. Dis-moi, pendant que tu es ici, s'il y a un client à ton poste, je peux savoir ce que tu vas faire? Hein? Pourquoi vous êtes aussi distraite? Désolée, madame. Je ne veux plus te voir ici. Comment peux-tu quitter ton poste pour venir jusqu'ici? Désolée. Toi. Madame. Tu n'as pas encore fini ce truc? J'ai presque fini, madame. Tu as presque fini? Oui, madame. Donc, tu laisses ton travail pour faire autre chose? Non, madame. Allez, fais ça tout de suite. Ça ne va pas chez toi. Je suis en train de le faire, madame. Depuis ce matin. Comment vous pouvez vous comporter de cette manière, hein? Je vais ici ou là. Allez-y, par là. Ok, d'accord. Ok. Bonjour. Tu vas bien? Oui, monsieur. Oui, je vais bien. Avoir oui, quatre, pas de problème. Merci. Votre code, monsieur. Ok. Dites-moi, c'est passé? Rien ne s'affiche. Ah bon?
Vous avez de l'argent sur votre compte? Désolé, monsieur, mais ça n'affiche rien du tout. Essayez encore pour voir. Ça met toujours erreur. Bon, d'accord. Peut-être que vous devriez faire un virement. D'accord, d'accord. Je pense que je vais faire ça. Voici le numéro de compte. Ok. Ça fait 10 600. Ok. Tenez. Ok. C'est fait. Ok. Attendez que je vérifie. Je dois m'assurer que le virement est fait. Désolé, monsieur. D'accord. J'ai déjà validé le virement et j'ai déjà débité. Écoutez, je vous comprends, monsieur. Mais il faut que je voie d'abord. Vous devez patienter, monsieur. Oh, ne t'inquiète pas. Tu vas le recevoir. Mais à quel moment? Mais mademoiselle, que veux-tu que je fasse à l'enfer? Monsieur, essayez de me comprendre. Je ne peux pas prendre le risque de... C'est quoi le problème? Madame, il a acheté des articles, mais je ne sais pas quel problème a sa carte. Il dit qu'il a fait un virement, mais on n'a rien reçu comme argent. Mais comme vous pouvez le constater, mon compte a été bel et bien débité. Oui, je comprends, mais nous n'avons pas encore reçu. Mais pourquoi ne pas payer en espèces? Quoi? Mon compte a été débité. Pourquoi payer encore de l'argent en espèces? Mais ce n'est pas de notre faute, monsieur. Nous n'avons pas reçu d'argent. Payez en espèces et récupérez vos articles. Pourquoi vous aimez les histoires? Excusez-moi. Vous pensez que je suis venu vous anarquer? Je viens à peine de payer. Ok, monsieur, je n'en disconviens pas. Mais nous n'avons rien reçu. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de payer en espèces et de récupérer tranquillement vos articles. S'il vous plaît, monsieur, je suis très occupé. Je n'ai pas le temps pour ce genre de choses. Écoute, s'il n'a pas d'argent pour payer en espèces, garde les articles et laisse-le partir. D'accord, madame. C'est ce que les gens font tous les jours. Ils viennent faire des achats sachant qu'ils n'ont pas d'argent et après, ils racontent n'importe quoi. S'ils ne payent pas, ne lui donne rien. D'accord, madame. Monsieur, s'il vous plaît, allez-vous-en. Qu'est-ce qui se passe? Ok, très bien. Monsieur, votre carte. Attends, donne-moi la carte. Laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu Je fais? Je vais lui donner ses affaires. Attends, laisse-moi faire. Mais pourquoi? Chut. Je reviens tout de suite, ok? Ah! Monsieur, monsieur. Quelles sont ces manières? Comment les gens monsieur, peuvent monsieur, se comporter? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez oublié votre carte. Merci beaucoup, mademoiselle. Voici vos articles, monsieur. Mais on m'a dit que je n'ai pas payé. Ne vous inquiétez pas, monsieur, pour ça. Attends, tu as payé pour moi? En fait, pas vraiment. J'ai dit à ma patronne que si elle ne reçoit rien jusqu'à la fin du mois, qu'elle le déduise de ma prochaine paye. Hey. Monsieur, je suis sincèrement désolée pour le désagrément que tout à l'heure vous avez subi. Non, s'il non, vous plaît, non, monsieur. Non, non, non. Tu n'as pas du tout besoin de t'excuser pour ça. Dis-moi, quel est ton nom? C'est Kaïma, monsieur. Kaïma. C'est vraiment étonnant, ça. Je dois retourner à mon poste, monsieur. Un instant, s'il te plaît. Bizarrement, c'est la toute première fois que je rencontre ce problème. Appelle-moi. D'accord, monsieur. Fais tout pour m'appeler, ok? Ok, d'accord. Très bien. Monsieur. Dis-moi ça. D'accord. Il a payé? Madame, en fait, il n'a pas payé, mais Kaïma m'a dit qu'elle vous dira de couper sur son salaire. Oui, madame. La plus grande philanthrope. Ah, donc, tu as de l'argent maintenant? Non, madame. D'ailleurs, tu as combien comme salaire? Madame, en fait, je voulais juste... Garde tes explications, ok? Tu sais quoi? Prends tes affaires et va avec lui. Mais, s'il vous plaît, madame, qu'est-ce que j'ai fait? Lève-toi de là, je n'ai pas besoin de tes excuses, je n'en ai pas besoin. S'il vous plaît, écoute, madame.
Prends tes affaires et pars. Qu'est-ce que je fais? Ne reviens plus jamais ici. Madame, s'il vous plaît. Écoute, je ne veux plus la voir à mon retour. Ah, je vous en prie, madame. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Je n'ai rien fait de grave. Je vous en supplie, madame. Je t'ai dit de le suivre. Je vous en prie. Madame, j'ai simplement dit de déduire cet argent de mon salaire jusqu'à la fin du mois s'il n'a rien payé. Il faut la suivre. Comment veux-tu que je la suive? Elle dit qu'elle ne veut pas me voir. Mais va lui demander pardon. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? J'ai été renvoyée, maman. Hein? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste aidé un vieillard et rien d'autre. Oh, juste parce que tu as aidé quelqu'un? Tu vois, je t'ai dit que cette femme n'est pas celle avec qui on peut travailler. Mais tu sais que ce n'est pas facile d'avoir un travail. Non, non, non. Non, non, non. Viens, ma fille, viens. Ne pleure pas. Je ne veux pas que tu pleures, ok? Tu sais ce que je veux que tu fasses? Je veux que tu te lèves pour aller chercher du travail. Trouve-toi un bon job et je sais que Dieu le fera. Je sais de quoi il est capable. Tu vas avoir un bon travail, ne t'inquiète pas. Aie juste foi en Dieu. Hein? Oh, tout va s'arranger. Ne pleure pas, ma fille. Allez, ne pleure plus. Kaïma. Oui, maman. Ton téléphone est en train de sonner. Allez, viens le chercher vite. Maman, j'arrive. Maman, c'est lui, le vieillard. Allô? Hey, Kaïma. Oui, maman. Bonsoir, maman. Quelque chose de nouveau? Non. Hey, Kaïma. Et le monsieur dont tu m'avais parlé? Et je pensais qu'il voulait te trouver du travail. Il ne m'a même plus appelé, maman. Attends, qu'est-ce qu'il y a au juste? Je ne sais pas, maman. Je suis fatiguée. Laisse-moi aller me reposer. Y a-t-il de la nourriture? Eh, mais c'est quoi tout ça? Ma fille, ne te décourage pas. Continue de prier. Okay, maman. Continue de chercher du travail. Je vais prier pour toi. Merci, maman. Les routes d'ici sont vraiment terribles, mal entretenues. Je vous assure. Écoute. Oui, monsieur. Dès que tu arrives au niveau du poteau électrique, arrête-toi là, s'il te plaît. Vas-y, vas-y, avance un peu encore. Là? Oui. D'accord, monsieur, je m'arrête juste là. Oui, avance juste un peu. Oui, encore un tout petit peu. Ok. D'accord, monsieur. Super. Monsieur. Oui. Vous voulez que je vous ramène à Banana Island? Oh, non, tu gardes, tu m'attends. Je vais faire le reste du chemin à pied, ok? Sacrilège! C'est impossible, monsieur. Je ne peux pas laisser un homme comme vous marcher. Non, ne t'inquiète pas, ça va. Garde-la et attends-moi. Je vais continuer à pied. Monsieur, vous ne voulez pas que je vienne avec vous? Non, non, ça va, merci. Tout ira bien. D'accord, monsieur.
C'est bien joué. Tu sais... en fait, je n'ai pas eu autant de plaisir depuis longtemps. Vraiment? Oui. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Bien, j'étais tellement occupé à faire des choses inutiles que la vie est passée sans que je ne m'en rende compte. Et maintenant, j'ai assez de regrets. Waouh, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas grave. Ainsi va la vie. C'est vraiment dommage, tu sais. Je pense que c'est le moment idéal pour moi de faire tout ce que je n'ai pas pu faire dans ma jeunesse. Mm-hmm. Ah oui. Ça y est. J'ai gagné. Quoi? Tu m'as distrait. Non, ce n'est pas vrai. Ah, dis-moi, comment est-ce que tu as fait pour me gagner? C'est grâce à son père. Il était maître de ce jeu. Maman, où vas-tu comme ça? Oh, eh bien, je vais chez Maman Blessing. Je te l'avais dit? Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Très bien. Et... À plus tard alors. D'accord, maman. Au revoir, monsieur. Au revoir. Maman! Wow, tu maîtrises vraiment le jeu. Oui. Là, tu reconnais mes compétences. Bien, dis-moi, Kaïma, tu ne m'as jamais dit que tu as perdu ton travail à cause de moi. En fait, ce n'est pas vraiment à cause de toi, tu vois. En plus, la dame de fer a toujours voulu me renvoyer. La dame de fer? Qui est-ce? Oh, désolée. C'est le nom qu'on a donné à notre patronne. En réalité, je ne voulais plus de ce travail. Elle est trop sévère. Dis-moi, combien est-ce qu'elle te payait par mois? 15 000 naira. Pourquoi cette question? Attends, 15 000 naira? Avec le niveau d'études que tu as pu obtenir? Tu parles comme si tu ne savais pas ce qui se passe ici au Nigeria. Tu sais, c'est difficile d'avoir du travail et un bon salaire. Je comprends. Tu sais quoi? Je connais quelqu'un qui connaît aussi quelqu'un qui a une entreprise. Tu comprends? Je ne suis pas sûr qu'il recrute actuellement. Mais je peux en parler avec mon ami. Pour voir. Oui, oh. Parce que je sais qu'il paye bien les caissières. Très bien. Tu comprends? Entre 30 et 40 000. Quoi? Oui. Tu en es sûr? Bien sûr. Oui. Les agents de sécurité là-bas ont un salaire de 45 000 et les agents de nettoyage, 30 000. Waouh, ça doit être une grande entreprise. Oui, c'est une grande entreprise. Une grande entreprise. Mais il faut que je voie avec mon ami d'abord. Oh, merci beaucoup. Mais s'il te plaît, si tu vas, ne leur dis pas que j'ai un grand diplôme. Dis-leur tout simplement que je suis prête à accepter tout ce qu'ils me proposent pour n'importe quoi, que ce soit l'entretien des lieux ou peu importe. Ok, ça marche. Je vais voir. Alors, je crois que... cette fois, je vais te battre. Jamais. On ne dit jamais, jamais. Jamais. Je dis qu'on ne dit jamais, jamais. Mais je sais déjà que je vais te battre encore. Papa? Hé, hey, mon fils! Tu ne fais que siffler, là. Qu'est-ce qu'il y a? Bien. Quand un homme siffle, c'est qu'il a le cœur rempli de joie et beaucoup de bonheur. Quand ça t'arrivera, tu pourras comprendre. Et qu'est-ce qui te met autant de joie et de bonheur dans le cœur? Bien. C'est un secret pour moi seul, mon garçon. Ok. Très bien. Mais pourquoi est-ce que c'est toi-même qui fais ton café, Nagi? Oh, Nagi, elle est allée rendre visite à sa fille.
Elle va revenir demain soir. D'accord. Alors, où est-ce qu'elle est la prunelle de tes yeux? Ah, la prunelle de mes yeux. Elle est dehors avec ses amis, tu sais comment elle est. Ouais. D'accord. Pourquoi tu ne dis pas aux filles de préparer quelque chose à manger pour toi, au lieu de... Parce que moi, je n'ai pas du tout faim. Eh bien, tu as mangé quelque chose? Mon fils, j'ai mangé un très bon plat fait maison que je n'ai pas mangé depuis des années. J'ai juste besoin d'un peu de café pour bien digérer. C'est bizarre, ça. Bon, écoute, je peux tout t'expliquer si seulement tu restes sage, mon garçon. Ok, j'y vais. Qu'est-ce qu'il peut bien cacher, ce vieillard? Ah, tu es là? Ah, bonjour, bonjour, monsieur. Je t'en prie, assieds-toi. D'accord, merci. Approche. Je peux l'ouvrir, monsieur? Non, laisse pour l'instant. D'accord, monsieur. Samuel, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de son dossier? Elle a un bon profil, mais nous n'avons pas de poste pour elle actuellement, vous voyez. Quel poste serait bien pour elle? Peut-être bien le service client aux relations publiques. Voulez-vous que je fasse quelque chose? Est-ce qu'il y a un autre poste vacant quelque part dans l'entreprise? Oui, monsieur, le service de nettoyage. Le service de nettoyage? Et c'est dans quel département, au juste? C'est dans le département administratif, oui. D'accord, ça marche. Et tu sais quoi? Oui. Elle va occuper le poste qui est disponible actuellement. On ne sait jamais, peut-être qu'il peut y avoir un autre poste vacant, bientôt. Ok? Oui, monsieur. Et tiens-moi au courant dès qu'elle commence le travail. C'est compris. Oh, j'ai oublié un truc. Elle ne sait pas qui je suis dans cette entreprise. Elle ne connaît pas mon statut. En fait, elle pense que je suis jardinier dans cette entreprise. Et je voudrais que ça reste ainsi entre nous. D'accord, monsieur. Super. Maintenant, parlons de toi. Quand est-ce que tu vas te marier et t'installer définitivement? Ou alors tu veux être comme mon fils qui aime mettre son bâton de pèlerin partout? Salut les filles. Salut. Keima, comment va le travail? Ma chère, j'essaie de m'accrocher. En tout cas, accroche-toi bien. Pardon, ne finis pas l'eau. Hein? Je suis désolée. Ah. As-tu
Déjà vu le DG? Il est trop mignon. Non, je ne l'ai jamais vu. Je sais que tu tomberas amoureuse de lui. Tu verras. Désolée, mais je vais vous poser une question. Vas-y. Qu'est-ce qui est arrivé à celle qui était là avant moi? Elle a été licenciée. Hein? Oh oui, elle est tombée amoureuse du patron alors. Elle a été licenciée. Elle faisait du café pour lui, ce qui n'était pas son devoir. Elle pensait que ça allait marcher, mais malheureusement pour elle. Ma chère, je savais que ça n'allait jamais marcher. Généralement, les hommes comme les patrons aiment les filles qui ont de la classe. Je veux dire les misses, les femmes chics, les grandes dames. Dis-moi, qu'est-ce qu'il va foutre avec de simples nettoyeuses comme nous? Rien du tout. Non, attendez, je suis confuse là. Donc, vous voulez donc dire que si je tombe amoureuse du patron, pas que cela va arriver, mais c'est juste une question. Si par hasard, il arrivait que je tombe amoureuse de lui, je serais licenciée? Tu ne seras pas seulement licenciée. L'une de ces meufs va déformer ce joli petit visage que tu as. Tu seras ensuite licenciée. Mais pourquoi vouloir perdre son boulot pour un truc aussi absurde? Bientôt, tu ne diras plus ça. Attends de le voir d'abord. Bon, je dois aller continuer le travail. C'est mon premier jour et je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Allez, à plus tard. À plus tard. Tu as déjà nettoyé de ce côté? Oui, c'est déjà fait. Il ne reste que l'autre côté. Ok, d'accord. C'est vraiment cool. J'espère qu'un jour j'aurai un bureau pareil où je vais faire des rotations comme ça et comme ça. Alors, je te fais un chèque de 6 millions, d'accord? C'est bon? Je rêve tellement d'avoir un bureau pareil à celui-ci. Très bien. Bon, il faut que je fasse rapidement avant qu'il n'arrive.
Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est toi la nouvelle ménagère? Oui, monsieur, c'est ça. Ok. Comment t'appelles-tu? Kaïma. Kaïma, monsieur. Kaïma? Kaïma, tu sais faire le café de dessert? Oui, monsieur. Pourquoi, monsieur? Je voudrais que tu me fasses du café. Il y a de l'eau chaude dans la cuisine, mais je ne veux pas de sucre ni de crème, d'accord? Pourquoi tu me regardes ainsi? Je veux juste que tu fasses du café pour moi. Y a-t-il un problème? Si vous le permettez, monsieur, il n'est pas mentionné dans mon contrat que je dois faire du café pour vous. Oui, je sais que ce n'est pas mentionné dans ton contrat, mais mon assistante personnelle n'est pas là et j'ai besoin d'une tasse de café, donc. C'est mon premier jour de travail ici et je ne veux pas avoir de problème. Je ne veux pas non plus que mes collègues se plaignent auprès de la direction disant que je fais autre chose. Désolé, monsieur. Apporte-moi une tasse de café. Ok. Écoute-moi, ne t'inquiète pas, d'accord? Laisse-moi te rappeler, ok? Super. Il n'y a pas de souci. Je t'ai appelé toute la journée. Tu ignores mes appels ou quoi? Salut, chérie. Non, laisse-moi tranquille. Viens. Comment a été ta journée? Comment elle a été? Denzel. Allez, calme-toi, bébé. Écoute, je n'ignore pas tes appels, ok? C'est juste que j'étais occupé à travailler. Tu sais quoi? Je déteste quand tu refuses de décrocher mes appels. Ah, je suis désolé. Allez, viens. Alors, comment a été ta journée? Réponds-moi, s'il te plaît. Cet idiot de coiffeur a foutu le bordel sur ma tête. Regarde. Eh bien, je l'ai viré. Non, tu ne peux pas faire ça. En fait, tu es belle à la base, mais il te rend encore plus belle chaque jour. Tu le sais. Ah, d'accord, tu as raison. J'ai toujours raison. Peut-être que je vais l'appeler pour lui dire de reprendre le service. Pourquoi ne pas l'appeler à l'instant même pour le lui dire? Eh bien non, il faut qu'il galère un peu quand même pour qu'il sache ce qu'il m'a fait endurer aujourd'hui. À vos ordres, votre majesté. Tant mieux. Bon, je crève de faim. Ah, d'accord. Tu es arrivé au bon moment. J'étais sur le point d'aller déjeuner. Alors. Allons trouver quelque chose à manger. On y va. Vous êtes folle. Je te le dis. C'est pas vrai. Oui, ça c'est bien vrai. Dites-moi, c'est qui cette femme là-bas? C'est la reine des lieux. Elle s'appelle Sacha. Ah d'accord. C'est la femme du patron. En tout cas, tu as intérêt à ne pas avoir affaire à elle. Ça c'est clair. Et d'ailleurs, pourquoi chercher à avoir affaire à elle? Tu viens? En tout cas, tu as envie. J'arrive. Ma chérie. De toutes les façons, on attend de voir. Pour l'instant, tu es nouvelle, donc tu peux tout dire. Arrêtez les filles. Eh bien, moi aussi, ça m'arrive parfois. C'est vrai, ça? Je ne le savais pas. Mais bon, c'est la vie. Oui. Alors, dis-moi, le travail t'a plu? Ouais, ça va. C'est tout ce que tu dis? Est-ce parce que c'est un travail de nettoyage? Oh non, ce n'est pas du tout ça en réalité. Bon, très bien. C'est un bon boulot. Et mes collègues sont très gentils. Ah. Est-ce que tu as rencontré un membre de l'administration?
Oui, oui, j'ai juste rencontré le directeur. Ouais, il n'y avait que lui. Et? Et rien du tout. Comment ça, rien? Bien. C'est un bel homme, je veux dire, il est mignon. Mais tu sais, comme toute personne riche, je trouve qu'il est très arrogant. Sa manière de parler aux gens le montre déjà, mais bon, pas de problème. Je n'ai pas envie de me baser sur ça pour le juger. J'ai appris que la fille tombe amoureuse de lui à première vue. J'ai appris la même chose. Ah. Toi aussi? Non, quand même. Très bien, toi au moins. Tu es une fille consciente. Attends, non! Tu ne vas quand même pas me faire des compliments pour ça. Tu mérites quand même des compliments pour ça. Ok. Franchement, tu le mérites. Tu sais ce que tu veux. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as préparé? Tu vois, dès que tu as commencé à parler, j'ai su que c'était la nourriture que tu voulais. Tu n'es pas venu ici pour savoir comment a été mon premier jour de travail. En fait, tu es venu pour donc, la nourriture. Donc tu veux dire que je n'ai que ça en tête? Bien sûr que oui. Cette fois, je vais te donner juste un peu. Tu n'auras pas beaucoup. D'accord. J'ai juste besoin de quelque chose de délicieux. Ok? Gardien? Allez, viens ouvrir la porte. Oui, patron. Ouvre le portail. D'accord, j'y vais. Salut bébé. Salut mon amour. Mais je Gina, qu'est-ce que tu fais ici? Oh mon bébé. Tu m'as tellement manqué. Écoute-moi Gina, tu n'as rien à faire ici. Tu m'as dit que c'était fini, n'est-ce pas? J'ai quand même été ton épouse. Écoute Gina, je ne t'ai pas manqué. Non, tu ne m'as pas du tout manqué. Tu comprends? C'est qui celle-là? Que fait-elle ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Réponds, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais même pas. Bébé, tu ne sais pas? Écoute-moi bien. Je suis venue, ma chérie, pour reprendre ma place. Regarde-moi cette idiote. Tu es venue reprendre ta place? Denzel, qu'est-ce qu'elle dit? Je suis autant choquée que toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? De quoi est-ce que tu me parles? Mais bébé, c'était juste une petite incompréhension. Madame, je suis venue reprendre ma place, ok? Tu dois partir, hors de ma vue. Tu sais quoi? Qu'elle parte maintenant même. Oh, ok. Il faut qu'elle s'en aille maintenant. Tu sais quoi? Je n'ai pas le temps pour vos histoires. Réglez ça toutes les deux, d'accord? Mais qu'est-ce que... des ailes. Au revoir. Où es-tu, mon bébé? Où est-ce que tu te caches? Où es-tu, mon amour? Qu'est-ce qui se passe ici? Regarde-moi ça. Tu te permets de venir chez moi comme ça? C'est du jamais vu, ça. Quelles sont ces manières? Non, mais attends. Mon amour... Écoute, Gina. Écoute-moi, Gina. Non. Arrête ton cinéma, s'il te plaît, Gina, arrête-moi ça. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Écoute, Gina. Bon, ça va, tu sais quoi? Je suis désolé. Mais je veux que tu me dises exactement ce que tu fais ici. En fait, tu me manques. Attends, tu veux dire que je te manque vraiment? C'est vrai, bébé, tu me manques, mon amour. Non, mais qu'est-ce que tu racontes, là? Tu m'as bien dit qu'entre toi et moi, c'est terminé. Je t'ai appelé pendant 3 mois et tu n'as fait que rejeter mes appels. Et soudainement, tu m'appelles pour me dire que tu veux venir rester chez moi. Attends, tu trouves ça normal? C'est parce que j'étais fâchée. Gina, ça fait 3 mois. 3 mois et tu m'as déjà remplacée pour cette chose. Tu avais mis mon numéro sur liste noire. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? C'est parce que j'étais fâchée.
D'ailleurs, tu fais quoi avec elle encore? Dis-moi, c'était fini entre vous, n'est-ce pas? Oh, eh bien, elle a fait comme toi. Elle m'a appelé pour me faire savoir qu'elle souhaiterait qu'on reprenne. Et comme tu n'étais plus là, alors j'ai décidé de me mettre avec elle. Bébé. Je suis là maintenant. Je suis de retour. Alors, Gina, les choses ne marchent pas ainsi. Il est temps que tu apprennes à assumer les actes que tu poses. Tu dois assumer tes responsabilités. Mais Denzel, je t'aime toujours. Tu ne réalises pas cela. Bébé, je t'aime toujours. Et puis quoi? L'amour est quelque chose de naturel. Ce n'est pas du fétichisme, Gina. Je le sais. Franchement, je ne peux pas retourner actuellement. Je veux rester ici pendant 2 semaines, s'il te plaît. 2 semaines? Tu vas rester dans ma maison pendant 2 semaines? Oui. J'aurais vous quoi? Mais c'est quoi tout ça? Ok, elle va m'entendre celle-là. Attendez-moi, j'arrive. Qu'elle sorte ici. Gina, c'est quoi ton problème? Regarde-moi des choses comme ça. Tu viens chez moi pour 2 semaines et tu n'es pas capable de m'appeler avant pour me le dire. Pourquoi t'appeler? Tu es mon fiancé ou pas? Quoi? Bébé, qu'est-ce qu'elle fait encore ici celle-là? Mon fiancé m'a dit de rester ici pour 2 semaines, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Fiancé? Mais Denzel, c'est quoi tout ceci? Tu sais quoi? Je sais que tu t'attendais à ce que moi je parte d'ici. Mais devine quoi? Sache que moi, je n'irai nulle part. Je resterai ici aussi longtemps que je le voudrais. Regarde-moi bien si tu ne crois pas. Ah, bébé. Bébé, demande-lui de s'en aller maintenant. Demande-lui de parler. Écoutez-moi, vous deux. Arrangez-vous pour régler ça. Tu es sérieux? Okay? Bébé. Non. Faites ce que vous avez à faire. Je n'ai plus rien à voir avec ça, s'il vous plaît. Allez, reste. Laissez-moi. Bébé, attends-moi, s'il te plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, j'ai dit aux nettoyeuses de mettre les choses exactement à leur place après le nettoyage. Alors, que cherchez-vous? Le document pour le prochain projet. Tu l'as vu? Oui, monsieur. Oh oui. S'il te plaît, appelle Chef Elvis et fais tout pour prendre rendez-vous avec lui. Quelle date puis-je lui proposer? Le plus tôt possible. Très bien. Excusez-moi. Ok. Non. C'est vraiment fantastique. Ok. Purée.
bien. La nouvelle, s'il vous plaît. Maintenant. La nettoyeuse sera là dans un instant. Merci. Kaima, comment est-ce que tu te sens dans ton job? Ouais, cool. Désolée, je veux dire, je me sens bien. Ok. Comparé à mon ancien job, oui, je me sens bien ici. Ton ancien boulot, qu'est-ce qui s'est passé avec ton ancien boulot? Voyons, vas-y, dis-moi. Savez-vous ce que la dame de fer me ferait si elle me voyait en train de causer avec vous comme ça? Dame de fer, comme Marguerite Dia? Non. Ok, je voulais juste me rassurer. C'est mon ancien boss, c'est comme ça qu'on l'appelait. Ok, ok, qu'est-ce qu'elle aurait fait, dis-moi? Allez, vas-y, dis-moi. Désolée, je suis en train de rire. Allez, parle, je t'écoute. Vas-y. Ok, d'accord. Ok, vas-y, je t'écoute. Elle ferait ceci. Toi, espèce de paresseuse incompétente, bonne à rien, que fais-tu? Ah bon? Tu exagères, non, non, tu exagères. Elle dirait bien ça, sûr qu'elle utilise ce genre de mots. Ou alors... Toi, espèce de petite paresseuse qui ne me sert à rien comme employée. Non, stop, ça va. C'est fou, ça. C'est ce qu'elle a l'habitude de faire. Ok, tu peux disposer. Qu'est-ce qui se passe ici? Et que fais-tu encore là? Le boss m'a posé des questions et j'étais en train de lui répondre. Je lui expliquais certaines choses concernant mon ancien boulot. Rien de plus, madame. Est-ce que je peux y aller maintenant? Oh oui, Kaima, tu peux y aller maintenant. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Ok. Ce n'est pas bien, monsieur. Dis-moi donc, qu'est-ce qu'il y a? Ça se voit que la nettoyeuse est amoureuse de vous. Tu crois ça? Je le sais, monsieur. Et je ne voudrais pas que cela empêche le travail. Voyons, Rose. Elle ne fera rien qui pourra empêcher le travail. Ne t'inquiète pas. Y a-t-il autre chose? Pardon? Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Non. Tu peux retourner travailler, Rose. Quoi? Je dis que tu peux retourner bosser. Tu as un truc à me dire? Oh, j'y vais. Elle est très drôle, celle-là. Regarde comment elle parlait. Elle est éveillée. Mon bébé, dis-moi que je t'ai manqué. Comment Gina, tu vas? Oui, bébé. Assieds-toi là-bas. Ah non, voyons, bébé. Assieds-toi ou okay, je te mets à la porte. Ok, pas de problème, c'est compris. Mais il faut qu'on parle. Ok, je t'écoute. De quoi veux-tu me parler? Vas-y. Bébé, je veux qu'on dîne ensemble. Dîner? Pourquoi? Pour parler de notre mariage, bien sûr. Notre mariage? Je ne savais pas qu'on se mariait. Bébé, nous allons nous marier. Ok, bébé? Et tout le monde le sait. Écoute, bébé, tu sais, il y a longtemps qu'on aurait dû le faire. Alors, bébé, je pense que le moment est venu. Non, mais... Attends, attends, tu penses vraiment que toi et moi allons nous marier? Mais bien sûr, oui. Tu sais quoi, mon amour? On va se marier. Et pour le lieu, je pense que ça sera à Paris. Oui, à Paris, mon bébé. Et tu sais quoi, mon amour? Je pense à un très grand mariage. On le fera dans un très grand château. Et tu sais quoi, bébé? Maman a déjà invité 3 personnes. Oh. Oh, bébé, je suis trop excitée. Maman veut aussi inviter l'ancienne première dame du pays. Bébé, ça sera Gina, un mariage Gina, extraordinaire. Gina, écoute. Tu as parlé de notre mariage, enfin. Selon l'idée que tu t'es faite dans ta tête, tu as parlé d'un mariage fictif à ta mère. Bébé. Et moi, j'en sais rien. Arrête, bébé, qu'est-ce que tu as?
Tu sais quoi, bébé, c'est l'idée de maman. Et écoute, bébé, je suis complètement d'accord avec elle. Écoute, arrête, ok? Écoute, Gina, tu ne vas pas te marier avec moi. Bien sûr que je veux me marier avec... Stop! Regarde-moi. Tu ne veux pas te marier avec moi. Bien sûr que je veux me marier avec toi. Gina, tais-toi. Tu ne veux pas te marier avec moi. Moi non plus, je ne veux pas me marier avec toi. Mais je veux que tu m'épouses, bébé. Je veux être ton épouse. Attends, attends. Oh, Gina. Bébé. Gina. Pourquoi? Oh, oh. Écoute-moi très bien, Gina. Bébé, je t'en prie. Je veux me marier avec toi. Bébé, tu m'as bien eu, n'est-ce pas? Ok, bébé, je te parlais des préparatifs du mariage. Alors, maman m'a dit qu'elle a trouvé une robe qui m'ira. Oh, j'ai rendez-vous avec elle à 15h. Bébé, on en reparle plus tard, Gina, ok? Gina, au revoir, chérie. Gina! Fais attention. Désolée, j'ai cru qu'elle ne faisait plus partie de ta vie. Elle n'est revenue qu'hier. Elle est revenue? Ouais. J'ai cru que vous étiez séparés. Oui, je le croyais aussi. Elle est revenue à la maison. Oh. Est-ce que tu vas bien? A-t-elle dit quelque chose? Elle est venue me dire que... qu'elle est en train de préparer notre mariage. Alors que moi, je ne sais absolument rien de tout ça. Elle vient me dire que le mariage se tiendra à Paris. Quoi? Monsieur, mariage? Je ne savais pas que vous étiez fiancé. Et moi-même, je ne savais pas que j'étais fiancé. Qu'allez-vous faire? Rien. Rien, oui, vous dites? Je ne ferai rien. Comment pouvez-vous épouser cette fille? Elle est un vrai désastre. Elle est irresponsable. Vous ne pouvez pas l'épouser. Elle ne peut pas débarquer comme ça attends, et venir parler pause, de mariage. Calme-toi. Ok? Respire. Voilà. Je suis désolée, monsieur. J'étais juste en train d'essayer de dire que vous ne pouvez pas l'épouser. Vous ne la connaissez pas assez. Vous ne serez pas heureux ensemble. Je le sais, Rose. Et je n'ai aucune intention de me marier avec elle. C'est bien, monsieur. Je voulais juste vous aider. Tu sais, Rose, je suis satisfait de l'état actuel de ma vie. Je n'ai pas besoin d'aide. Pas besoin. Ok. Qu'est-ce que tu tiens? Les documents que vous m'avez demandés, monsieur. Ok. Merci. Bien, retourne travailler. C'est bien que vous n'alliez pas l'épouser. Je le sais. Bye. Regarde-toi. Tu passes ton temps à fumer. Pendant que Denzel et moi préparons notre mariage à Paris. Oui, Sacha, nous allons nous marier. Bientôt. Tu seras la plus grosse idiote dans toute cette histoire, ma chérie. Donc, je te suggère de ramasser tes affaires et de partir maintenant. Mais pourquoi tu ris?
Désolée, madame, désolée. Dis-moi et toi. Oh, désolée, excuse-moi. Oh. Salut, chérie. Espèce de menteur! Tu es un menteur et une fidèle! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu me le demandes? Tu ne sais donc pas ce que tu as fait? Mais je... Oh, bienvenue, mon bébé! Mais c'est quoi ton problème? Je lui ai juste dit que nous étions en train de préparer notre mariage. Tu veux dire que tu préfères cette chose par rapport à moi? Je me suis plusieurs fois sacrifié pour toi et je suis sûr que tu le sais. Mais c'est moi qui t'aime. Gina, arrête, ok? Gina, écoute-moi bien. Je t'ai dit et je te le répète, je ne t'épouserai pas du tout. Mais bébé, tu n'étais pas sérieux. Bébé, rappelle-toi de notre discussion à ton bureau, nous c'est en avons parlé. C'est toi qui as parlé, pas moi. Et j'ai été clair avec toi. Je t'ai dit que je ne veux pas me marier avec toi. Bébé, tu n'étais pas sérieux. Écoute, s'il te plaît, il faut que tu lui dises la vérité. Je sais que tu Lâche-moi. Ne veux pas... Non, non, non. Écoutez-moi, la vérité est que je ne veux me marier avec aucune de vous deux. Est-ce clair? Denzel, mais... Denzel, tu veux... Tu veux dire que tu ne veux pas te marier avec moi? Sacha, tu n'as pas besoin de dictionnaire pour comprendre que je ne veux me marier avec aucune de vous deux. Pourquoi? Laissez-moi Denzel, respirer maintenant, Denzel, s'il vous plaît. Denzel, non, tu ne peux pas me dire cela, Denzel. Reviens ici, reviens. Bonjour, monsieur. Bonjour. Hé, hey, mon fils. Qu'en penses-tu? Eh bien, cela dépend d'où tu vas et qui est-ce que tu vas rencontrer, papa. Mais je pense que tu ressembles plus à mon père aujourd'hui et non le père de n'importe qui. Phil. Chef. Qu'en penses-tu, dis-moi? Vous êtes... vraiment magnifique. Magnificieux. Que veux-tu dire? Vous êtes vraiment hors du commun. Hors du commun, il veut dire. Attends, je ne comprends plus rien. Tu essaies de dire magnifique ou alors explique-moi bien. Je veux dire, vous avez l'air... Vous êtes habillé comme un roi, vous êtes cool. Tu veux dire magnifique? Hey, ouais, c'est ça. Oui, c'est ce que je voulais dire, mais... Franchement, il est drôle, celui-là. Fallait dire plutôt magnifique. Oui, c'est cela même. Ça va aller. On y va. Au revoir. Oui. Je crois que je suis amoureux de cette nettoyeuse. Je ne l'avais pas vu venir, ça. Bonjour, monsieur. Bonjour, Kaïma. Je ne m'attendais pas à vous voir de si bonne heure. Oui, je suis venu un peu plus tôt et comme tu le vois, je prends mon café. Je ne te demanderai pas de le faire.
Vraiment désolée pour la dernière fois. Non, ça va. Alors, pourquoi tu m'as manqué de respect la dernière fois? Je ne vous ai pas manqué de respect. Ok, peut-être que j'ai été mal poli. Bien. Alors, pourquoi tu as été jusqu'à nous manquer de respect l'autre fois, hein? Monsieur, je dois commencer le nettoyage. Non, ne t'en fais pas. Le bureau a été déjà nettoyé et tout a été déjà fait. Alors, ne t'en fais pas pour ça. Alors, je veux tout savoir. Cela vous dérangerait si je vous dis que je ne savais pas qui vous étiez? Je trouve cela un peu drôle parce que mon titre est bel et bien affiché sur ma porte. Ouais. Je ne sais plus quoi dire. Peut-être que je n'ai pas bien regardé. Donc. Monsieur, sous votre respect, je... Votre demande m'a un peu surprise et je ne veux pas finir comme chérie. Chérie? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Monsieur, j'ai appris qu'elle vous servait très souvent du café et elle a voulu faire autre chose. C'est ainsi que vous l'avez virée. Oh. Ok. Désolée, monsieur. C'est donc la raison pour laquelle tu ne veux pas servir du café à ton boss? Excusez-moi. Je te croyais humble. Ah. Tu n'es pas humble du tout. Monsieur, je ne suis pas du tout arrogante. Ce qui est sûr, je sais que tu es gentille. Drôle. Ok, ça va. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu es juste honnête et tu es jovial. Et j'aime ça. Et tu me plais aussi. Je vous plais? Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour à toi aussi, Rose. Je suis désolée, monsieur. Mais elle ne devrait pas être ici. Ça va, elle n'a rien fait de mal. On parle juste. Ok, alors je suis désolée, monsieur. Je veux te voir dans mon bureau. Je suis désolée pour ça. Vraiment désolée, ok? Non, monsieur, en fait, elle a parfaitement raison. Je ne devais pas être ici, en train de discuter avec le boss. Puisque tout est propre, alors je vais y aller. Ok. Je sais quoi faire maintenant. Je sais quoi faire. Elle est très intéressante. Où est ce dossier? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Je ne fais rien, j'étais juste en train de répondre aux questions du boss. Tu penses qu'il tombera amoureux de toi? Tu peux continuer de rêver, mais sache que tu n'es pas de sa classe. Écoutez, madame, j'ai des choses à faire. Il paraît que tu nettoies la merde de tout le monde. Il faut bien quelqu'un pour le faire. Sors! J'ai dit dehors! Bon, ça va, il faut que je me calme. Stella. Dépêche-toi un peu, s'il te plaît. D'accord, madame. Puis-je avoir ma nourriture, s'il vous plaît? Votre repas sera bientôt prêt, ok? Excuse-moi. S'il vous plaît, patientez un peu. Mais pourquoi ce n'est pas encore prêt? Tu es ici pour servir, alors fais ton travail pour l'amour de Dieu. Et si tu sais que tu n'es pas compétente, tu n'as qu'à démissionner pour qu'une autre te remplace. Mais madame... Attends, tu parles? Tu es folle? Tu réponds quand je parle? Apportez-moi mon repas dans 10 minutes, sinon vous verrez qui je suis. Idiote. Stella, ne la calcule pas. Elle est juste frustrée. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit?
C'est moi que tu traites de frustrée? C'est moi ta frustrée, c'est ça? J'ai dit apportez-moi mon plat dans 10 minutes. Bande de stupides, n'importe quoi. Mais c'est quoi tout ça, hein? Oh, désolée. Non, 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 non. Non, madame, tu ne peux pas la laisser te traiter de la sorte. Non, ce n'est pas normal, non, madame. Ou alors c'est parce qu'on travaille ici. Stella, ça va. De quoi tu parles? Pourquoi tu n'arrêtes pas de dire ça va? Elle est folle ou quoi? C'est quoi tout ça? Tu sais que si tu expliques tout ça à Monsieur Denzel, il va la chasser d'ici. Ah, oui, c'est quoi ses comportements, Stella, hein? Je t'ai dit que ça va, n'est-ce pas? Pourquoi elle fait tout ça? Ah, qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Occupe-toi de la sauce. Elle se prend pour qui à la fin? C'est quoi cette méchanceté? Salut, Kaïma. Kaïma. Kaïma, tu vas bien? Quoi? Est-ce que tu vas bien? Tu m'as l'air pensive. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais. Je vais bien, ça va. Tu es sûre? Oui, ça va. Je vais bien. Cool. Ok. Bon, à tout à l'heure. Attendez. Quoi? Dites-moi, pensez-vous que Rose est amoureuse du directeur? Je crois qu'on t'a dit que toutes les femmes ici sont amoureuses du directeur. Oui. Donc pourquoi est-ce que tu demandes bien? Pour rien. Hein? Rien, non. Il n'y a rien. Je suis sérieuse, il n'y a rien. Ok. Je vous rejoins bientôt, les filles. Ok. Ouais. Stop, arrête. Tu me fais trop de bien lorsque j'entends ta voix. Ikele Lyoda, vas-y mon bébé. Tu sais que j'adore ta voix. Ok, je te rappellerai plus tard. Ikele Lyoda, my baby. Aïno. Ikele Lyoda, my baby. Aïno. Allingue. Allez, baby. My baby. Ogele no yoda. Théophile. Ah, patron. Je vous salue. Écoute, Théophile. J'aimerais te demander quelque oui, chose. Monsieur, oui, monsieur, dites-moi, je vais le faire. Non, tu n'as rien à faire. C'est quelque chose que je veux te demander ici entre nous deux. Il vous s'agit pouvez me d'un sujet je assez délicat. Comme une ok, tombe. Ok, papa ne doit pas entendre ce que je vais te dire. Tu okay. vois, Théophile, dis-moi. Ah, oui. Que penses-tu de la nouvelle amie de mon père? Je parle de celle qu'il a recrutée pour le nettoyage. Que penses-tu d'elle? Tu penses qu'elle aime ou... ou alors elle est ce genre de femme qui veut juste dépenser son argent? Patron, vous savez, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je connais les caisses. On me dit Théophile, attends. Va prendre de l'essence. Théophile, conduis-moi. Écoute, tu n'as pas à avoir peur. Je veux juste parler avec toi. Je sais que tu les vois tout le temps, vu que c'est toi qui vas le déposer chez la jeune fille. Je veux savoir ses intentions. Patron, je ne la connais pas ou... Attends, tu es sûr que tu ne la connais pas? Je suis incroyant, je ne mens pas. Comment? C'est toi qui les conduis, tu vois des choses souvent. Allez, dis-moi. Allez, vas-y, parle-moi, Théophile. Qu'est-ce que tu as vu? Dis-moi. Patron, pour dire la vérité, votre père se comporte bizarrement ces jours-ci. Parfois, lorsque je le conduis, il va me dire « Théophile, Théophile, arrête la voiture ». Parfois aussi, il a des comportements très étranges. Vous savez, il me demande souvent d'arrêter la voiture et lorsque je le fais, il descend et emprunte un taxi pour faire le reste du chemin. Il y va parfois à pied. Personne ne saura que votre père est riche puisqu'il marche tout le temps pour aller la voir. Attends, je ne comprends pas ce que tu dis. Hey, est-ce que tu peux bien m'expliquer? Ce que je dis, c'est que votre père agit parfois comme s'il était pauvre, tu vois. Il s'habille parfois en jean et en t-shirt. Vous vous imaginez un homme qui a 5 voitures et qui emprunte un taxi? C'est bizarre, ça. C'est vraiment incroyable. Incroyable. Hey, ne dites pas que c'est moi qui vous ai raconté toutes ces choses parce que... Non, ça va, tu n'as pas vous savez que pour je ça. Suis ici juste pour okay. conduire. Ouais. Alors donc, prends mes 5. Allez, encore. T'inquiète pas, allez. Encore, je vous fais confiance. Ouais. Ok, merci beaucoup. Ça reste entre nous deux, c'est compris. Ok. Chut. Ok.
Monsieur, vous me devez une bouteille de vin pour toutes ces informations, n'est-ce pas? Ouais, je sais. Oui, merci beaucoup. Ok. Allô? Oui, vas-y, parle-moi, je suis là. Oui. Tu as porté quoi? Arrête ça. Tu sais que je t'aime énormément. Je ne peux pas te perdre. Mais tu sais que... Oh, fils. Alors, comment tu me trouves? Vas-y, regarde-moi. On aurait dit un grand-père. Oh, tu es jaloux, n'est-ce pas? Non, papa, je ne suis pas jaloux. Mais sérieusement, je veux te poser une question. Quelle est cette mystérieuse femme qui illumine ta vie depuis un certain temps? Tu la verras un jour. Non, attends, papa. Au moment opportun. Papa, ne penses-tu pas qu'elle essaie de profiter de toi? Mon garçon, pourquoi ne sais-tu pas d'enlever l'amour qui se trouve dans tes yeux avant d'enlever le mien? Papa, non, non, c'est de toi qu'on parle ici, pas de moi. Il ne s'agit pas de moi, papa, non. Tu sais quoi, mon garçon? Lorsque le flot de l'amour coule, on le sait. Ah oui, tu ne peux pas comprendre. Attends, papa, c'est à moi que tu dis ça. Papa! Oui, c'est moi. Oh, non, non, non. Ne dis pas ça, jeune fille. On avait un accord. Et on ira dîner ce soir, comme prévu. D'accord. Alors, ce que tu as à faire maintenant, c'est de t'habiller et on se croise au restaurant. Oui, ma chérie. Oh, ok, d'accord. Ça a été ton rendez-vous? Oh. C'était génial. Elle est magnifique, cette fille. Elle est vraiment splendide. Tu penses? Oui, bien sûr. Papa, tu ne penses pas qu'elle est juste en train de te mener en bateau? Tu ne penses pas qu'elle est en train de te tromper? Dis-moi, qui n'aimerait pas un homme comme toi, un homme aussi riche? Voyons, fils, je ne suis pas stupide. Écoute, ma perle n'a rien à voir avec les femmes que tu fréquentes. Au moins, les femmes que je fréquente ne prétendent pas m'aimer. Non, ne t'en fais pas. N'aie pas peur, mais aie ta boisson. Hey, fiston! Je pensais t'expliquer tous les détails de ce qui s'est passé là-bas. Mais
Mais bon. Vous m'avez demandé, monsieur? Pourquoi vous, les jeunes filles de maintenant, aimez les vieux? Vous dites? Tu m'as entendu. Pourquoi une jeune fille comme toi peut sortir avec un homme aussi âgé qui peut être ton père? Mais, monsieur, cela dépend de la jeune fille et du vieillard en question. Et sûrement qu'il y a une bonne raison pour laquelle ils sont ensemble. Tu n'étais pas avec un vieux? Bien sûr. Alors, quelle raison peut te pousser à sortir avec un homme aussi âgé qui peut être ton père? Moi? Oui, toi. Toi. Alors, tout ce que tu faisais depuis le début, ce n'était qu'une façade. Vas-y, réponds-moi. Ce n'était qu'une façade. Ce n'était qu'un jeu. Vous, les filles de basse classe, vous sortez avec les vieux pour de l'argent. Monsieur. Pour tout le respect que je vous dois, monsieur, vous n'avez pas le droit de me juger. Tout ce que je fais après le boulot ne vous concerne en rien. Oh, arrête. Arrête de faire comme si tu étais innocente. Je t'ai vu avec lui au restaurant. Je pense qu'il doit être même plus âgé que ton père, n'est-ce pas? Vous m'avez vu avec Gérald? Oh, tu l'appelles même par son prénom. Mais comment est-ce que je peux l'appeler si ce n'est pas son nom, dites-moi? Tu n'as aucune honte. Mais je n'ai rien fait pour avoir honte. Oh. Dis-moi, alors avec combien d'hommes as-tu déjà couché? Vas-y, cite-les. Vous êtes un insensé. Et vous savez quoi? Gérard est mille fois meilleur que vous et vous ne serez jamais comme lui. Reviens ici. Je te parle et tu t'en vas. Je suis meilleur que lui. Non, mais c'est pas croyable. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui arrive? Denzel. Maggie? Tu vas bien? Oh, oui. Tu as l'air inquiet. Je vais bien. Maggie, je veux te demander quelque chose, mais je veux que tu sois très honnête envers moi, s'il te plaît. Sois honnête, ok? Que penses-tu des femmes que je fréquente? Tu as dit les femmes? Oui, je veux dire les femmes que je courtise, tu vois. Que penses-tu d'elles, Maggie? Rien, oh. Rien, tu dis? C'est soit tu les aimes ou alors tu ne les aimes pas. Tu dois avoir au moins ton opinion. Denzel, honnêtement, je ne peux rien dire à ce sujet. Rien du tout. Écoute, Maggie. Écoute, Denzel. Je ne connais pas ton choix, alors comment je peux me prononcer sur quelque chose dont j'ai aucune idée, dis-moi, hein? Mais Maggie, tu me connais depuis que je suis tout petit. Tu m'as vu faire venir des filles et des femmes dans cette maison. Je veux juste savoir ce que tu penses d'elles, Maggie, s'il te plaît. Tu dois avoir au moins une opinion sur les personnes que je fais venir dans cette maison. Écoute, Denzel, tu es comme un fils. Alors, pour moi. Alors parle-moi comme ma mère, s'il te plaît. Sois honnête avec moi. Tu sais, c'est vrai que je n'ai rien à dire, mais le problème est que quand il s'agit de femmes, tu n'as vraiment pas de choix fixe. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu essaies de dire par là? La seule chose que je peux te dire à propos des femmes que tu fréquentes, c'est qu'elles ne sont pas bonnes du tout pour le foyer. Oui. Mais je... Non, attends, attends. Prenons par exemple Tasha et Gina. Tasha est grosse, grande... Et elle maltraite les autres. Et quant à Gina, elle est fine, paresseuse,
et manipulatrice. Alors comment veux-tu que je décide de celle qui est bien quand on sait qu'aucune des deux n'est bonne pour le foyer, hein? Je n'en sais rien. Denzel. Oui? Dis-moi, y a-t-il un problème? Non, tout va bien. Merci d'avoir été honnête avec moi. Ok. Merci. Je serai dans la cuisine. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. D'accord. Kaïma, qu'est-ce qu'il y a? Maman, je sens que je vais être renvoyée, mais cette fois-ci, maman, ce sera ma faute. Renvoyée? Oh. Qu'est-ce que tu as encore fait? Le boss m'a vue avec Monsieur Gérald hier soir. Et il a commencé à faire des fausses interprétations et cela m'a rendue furieuse. Et alors tu as perdu ton calme, tu as perdu ton sang-froid et tu lui as balancé n'importe quoi au visage, c'est bien ça? Ah, Kaïma, je t'ai plusieurs fois parlé à propos de ton caractère. Je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à contrôler ta langue. Mais maman, j'étais en colère et puis il n'avait pas à me parler de la manière dont il a fait. Oui, je te comprends. Peut-être qu'il n'a pas du tout le droit de le faire, mais sache que c'est ton patron. Je suis désolée. Tu es désolée? Mais maman, qu'est-ce que je dois faire? Je ne veux pas perdre mon boulot. Mais tu dois t'excuser. Va-t-il me pardonner? Écoute, si tu ne sais pas, tu ne sauras pas s'il va te pardonner ou non. D'ailleurs, je ne veux plus te voir avec ce Gérard. Tu as bien compris? Maman, je t'ai dit qu'il était juste un ami. Je n'aime pas ça. Mais maman, il est très gentil. Kaïma. Ok, j'ai compris, d'accord. Je vais y penser. Il ne s'agit pas de ça. Tu ne le verras plus, ok? Lâche-moi. Je n'ai jamais Mais cessé maman, de te donner pas de bons conseils. Mon job. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, s'il te plaît. Sacha, c'est quoi ton problème? Je ne veux pas que tu laisses cette sorcière te détruire la vie. Sacha, je ne l'épouserai pas. Et je n'ai pas envie de t'épouser non plus. Alors, pourquoi perdre notre temps? Dis-moi. Denzel, je veux qu'on se marie. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je t'aime. Sacha. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Et tu le sais. Alors je t'en prie, laisse tomber. S'il te plaît. Je ne veux pas laisser tomber. Non, écoute-moi, Tasha, écoute-moi très bien. Je suis à un stade de ma vie où je ne veux plus être obligé de vivre avec vous deux dans ma vie. Je dois prendre une décision. C'est vrai que c'est difficile, mais je dois la prendre. Sacha, s'il te plaît, comprends-moi. Non, Sacha, Denzel, non. Sacha, je suis désolé. Denzel, s'il te Sacha, plaît. Sacha, s'il te plaît, arrête de pleurer. S'il te plaît, ne me laisse pas. Ça va, je suis désolé. Ça va, ne pleure pas. Écoute, fiston, tu n'as toujours pas tout ce dont tu as besoin dans ta vie. Et tout ce que tu veux n'est pas forcément bon pour toi. C'est très important. Fiston, est-ce qu'elle s'en va vraiment? Oui, papa. C'est le moment. Bien. Bonne chance à elle. Bébé? Gina?
Gina, il faut qu'on parle. Parler de quoi? Écoute, Gina. Tu as l'air sérieux, j'espère que tout va bien. Oh oui, tout va très bien. D'abord, j'aimerais te dire merci. Merci d'avoir chassé Tasha et sache que je suis trop contente. J'ai appelé maman et elle m'a dit qu'elle va t'appeler demain. Gina. Gina. Quoi? Et Félix? Félix? Félix va bien? Pourquoi? Est-ce que vous avez rompu? Bien. Alors, que fais-tu ici, Regina? Il a voyagé. Donc, si je comprends bien, tout ça, c'est l'œuvre de ta mère. Elle me veut pour toi. Écoute-moi, Gina. Tu ne peux pas accepter de faire tout ce que ta mère te demande. Tu dois décider de toi-même. Tu dois être responsable. Tu dois être avec l'homme que tu aimes et qui t'aime aussi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est facile pour toi de le dire, n'est-ce pas? Voyons, Gina, on sait tous que Félix n'est pas vachement riche, mais il est à l'aise. Alors même si ta mère ou ton père ne sont plus de ce monde, il pourra toujours s'occuper de toi. De quoi as-tu peur? Denzel, et si c'était toi que j'aimais? Gina. Non, et si c'était avec toi que je voulais me marier? Ok. Dans ce cas, je serai obligée de te décevoir. Je ne serai jamais ton mari. Non, je ne peux pas dire ça, bébé. Embrasse-moi. Quoi? Chut. Embrasse-moi. Gina, arrête-moi ça. Arrête ça, s'il te plaît. Embrasse-moi, s'il te plaît. Arrête, alors maintenant, écoute-moi très bien. Écoute-moi. Tu as jusqu'à demain matin pour quitter cette maison. Va-t'en. Va-t'en. Je suis désolé. Bonjour, monsieur. Bonjour, Rose. J'ai programmé le rendez-vous avec monsieur Okoye pour 12h30. C'est bon pour vous? Oui, ça va. C'est parfait, ça me va. Monsieur, est-ce vrai que vous avez rompu avec les deux? Oui, je l'ai fait. Ah bon? Bien sûr, je te le dis. Vous avez l'air très heureux. Écoute, Rose. Je n'ai pas seulement l'air heureux, je suis très très heureux, mon ami. C'est vraiment génial. Ouais. Il y a longtemps que je ne vous ai pas vu aussi heureux. Merci bien. Merci de t'inquiéter. Je vous en prie. Je dois y aller. Ok. 'Cause I'm happy. Da, da. 'Cause I'm happy. Da, da. 'Cause I'm happy.
Bonjour, monsieur. Hey, Rose. Tu es matinale. Vous l'êtes aussi. Désolée, je n'ai pas pu faire votre café. Non, ça va. Écoute, Rose, ce n'est pas un souci. Je peux moi-même faire mon café. Ne t'en fais pas pour moi, ok? Ok. Exactement comme votre père. Si tu le dis. Monsieur, auriez-vous besoin d'autre chose? Non, ça va, merci. Ok, dans ce cas, je serai dans mon bureau. Appelez-moi au besoin. Merci. Ok. De quoi est-ce que tu parles? En réalité, je dis que je ne connais pas ses vraies intentions. Me croiras-tu si je dis qu'il n'a jamais demandé à coucher avec moi, même pas un câlin? Tu es sérieuse là? Et il te donne de l'argent? Oui, mais ce n'est pas beaucoup d'argent. Il me donne 2000, parfois 5000. Je ne sais pas s'il est vraiment riche, mais ce n'est pas ça le problème. Keima, tu es stupide. Ah, je veux dire, la seule raison pour laquelle une fille de notre âge sorte avec un homme âgé, c'est parce qu'il est riche. Viviane, il est gentil. S'il est gentil, alors mange-le. Pourquoi? Mange sa gentillesse. Pourquoi tu veux donner ce beau corps à un homme qui est seulement gentil? Écoute, si c'est sa gentillesse que tu veux, tu peux l'avoir auprès d'un homme beau, riche comme le boss. Les personnes riches sont vraiment méchantes. Tu viens de le dire, le boss est riche. Ma chérie, je ne te comprends plus. Vous m'avez demandé? Écoute, je t'ai fait appel parce que... Je pense que je te dois des excuses. Ah bon? Oui, eh bien... Écoute, ce que tu fais après le boulot, ce n'est pas mon affaire. Mais je veux maintenant faire de toi mon affaire. Pourquoi? Écoute, il y a cette fille que j'ai, une fille que j'aime énormément et je l'aime à tel point que je n'arrive pas à dormir. Parce que je pense à elle. Et un jour, pendant que j'étais au restaurant, je l'ai vue venir. Avec un homme âgé qui pouvait être son père. Et j'étais jaloux. Jaloux? Oui, jaloux. Je veux dire que je n'avais jamais été jaloux auparavant, mais c'était stupide parce que je ne savais pas comment réagir et j'ai déversé ma colère sur elle. C'était fou. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Êtes-vous en train de dire que je vous plais? Écoute, c'est plus que ça, Kaima. Je t'aime. Monsieur, Non, Denzel. Je m'appelle Denzel et mes amis m'appellent Denz. Stop, je vous prie. Je t'ai eu. Je t'ai eu, Kaima. Oh, ouais. Il y a quelqu'un? Ah. Mais que faites-vous ici? Comment m'avez-vous retrouvé? Ton adresse est dans ton dossier, rappelle-toi. Vous ne pouvez pas être ici. Avec qui tu parles? Maman, c'est un témoin de Jéhovah. Quoi? Non, mais arrête. C'est du délire. Bonjour, monsieur le témoin de Jéhovah. Vous ne pouvez pas être... Bonjour, madame. Maintenant, je vois pourquoi Kaima est si belle. Je m'appelle Denzel. Je suis un ami de votre fille. Je vois.
Et je suis venu l'inviter à sortir avec votre permission, bien sûr. Vous n'avez pas besoin de ma permission pour l'inviter à sortir. Elle est assez grande pour faire ce qu'elle souhaite. Mm-hmm. Bref, vous pouvez vous asseoir au moins pour me dire qui vous êtes réellement. Oui, cela ne me gêne absolument pas. Je suis à votre disposition. Merci. Je crois que je vais vous laisser. D'accord. À plus tard. Oui, maman. Alors? Comme je l'ai dit, je m'appelle Denzel et nous travaillons ensemble. En fait, je suis son boss. Est-ce que tu me vois? Je suis à la plage. Ok. Je veux tout savoir sur toi. Oui, absolument. Tu veux tout savoir sur moi? Et pourtant, tu ne m'as encore rien dit sur toi. Oui, je l'ai fait. Ce n'est pas suffisant. Ok, mais je t'ai dit tout ce qui est important. Et s'il y avait certaines choses plus importantes que tu ne m'avais pas encore dites? Voyons, vas-y, s'il te plaît. Non, je n'ai rien à te dire, tu peux me croire. Non, mais tu dois avoir au moins quelque chose à me dire. Allez. Jamais entendu parler de moi? Jamais. Ok. Vas-y. Je suis née ici à Lagos. Mon père est décédé lorsque j'avais 9 ans. Et un petit ami? T'es sérieux là? C'est tout ce qui t'intéresse? Non, mais je veux avoir plus d'informations. Moi qui essayais de t'expliquer important, ma vie. Oui, faut que tu me dises tout. Ok, j'étais très jeune quand j'ai eu mon premier petit ami. Tu n'es pas bien, toi. Je le sais. Tu plaisantes. Tu ne me crois pas? C'est vraiment drôle. Et dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour, Stella. Comment vas-tu? Je vais bien, laissez-moi vous aider. Non, ça va, ne t'en fais pas. Vous êtes sûr? Je ferai moi-même mon petit déjeuner. Ok, monsieur. Ça peut aller. Mon père s'est-il réveillé? Non, monsieur. Ok. Salut, chérie. Oui. Comment tu vas? Je vais bien. Je t'ai apporté ça. Oh, waouh. Merci, c'est très joli. Ok. Merci infiniment, c'est magnifique. Je t'en prie. Viens là. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Tu ressembles à ta mère. Ok. Je dois aller m'apprêter pour qu'on sorte. Tu patientes un peu? Oh oui, tu le sais. Je reviens tout de suite. Tu m'attends, ok? Ok. Kaïma, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu as? Kaïma, tu es resté calme comme ça à cause de Denzel? Tu sais, ce jeune homme me plaît bien. Maman, il est mon patron. Ah, oui, il est ton patron. Et alors? Il a dit qu'il m'aime sincèrement, mais... Mais... Tu ne le crois pas? Non, maman, je ne crois pas à ce qu'il dit. Je ne le crois pas, maman. Je suis juste une nettoyeuse et lui, le patron. Ce n'est pas la même classe. C'est complètement faux. Je veux dire, ce n'est pas du tout un problème. Comment le sais-tu? Je sais que c'est ton patron. Mais le truc, c'est que, tu sais... Un homme qui occupe un poste comme le sien est libre de choisir la femme avec qui il veut faire sa vie. Donc il n'y a pas de problème si c'est de toi qu'il est amoureux. Hein? Maman, je n'en sais rien du tout. Je te comprends bien. Tu as juste peur d'être blessée.
T'inquiète pas, ne crains rien. Écoute, si tu ne risques rien en amour, dis-moi, où vas-tu rencontrer le vrai amour? Alors ma fille, pourquoi ne pas te donner une chance, hein? Ça va aller, c'est un mec bien. Tu comprendras, ok? Ça va aller ma fille. Salut. Monsieur, vous ne pouvez pas venir ici. Je vous ai dit que ma mère n'approuve pas notre amitié. Oh. Et est-ce à cause du jeune homme qui vient ici souvent? Oui. Et je l'aime. J'ai compris. Pas de problème. Ok. Je fais ma retraite la semaine prochaine. Oui, et j'aimerais que ta mère et toi soyez présentes. Je suis désolée, mais on ne peut pas y aller. Pourquoi vous ne viendrez pas? Nous sommes amis ou pas? Ok, écoute-moi très bien. Je suis en train d'inviter tous mes amis, ok? Et c'est très important que ta mère et toi soyez présentes. Et vous n'avez pas le droit de refuser cela. Très bien. Ok, je vais d'abord lui en parler pour voir ce qu'elle dira. Eh bien, qu'est-ce que je dois dire? Oh, c'est à propos de ma cérémonie de retraite. Et j'aimerais vraiment que vous deux vous soyez présentes ce jour-là. Et elle pense que ce n'est pas possible. Ne t'inquiète pas, on sera là. Merci beaucoup. Cela me va droit au cœur. J'apprécie vraiment. Merci. Bye. À bientôt. Au revoir. Ok. À plus tard, madame. Bye. À plus tard. Bye. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu es en train de me faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ferais mieux de commencer à penser à ce que tu vas porter. Oh, qu'est-ce que je vais porter? Il y a deux jours de cela, tu ne voulais plus voir ce Mais c'est lui qui nous invite. Maman, tu es très imprévisible. Ah bon? Merci. Mais... Alors, tout est bien prêt? Oui, monsieur. Tout est parfait. Très bien. Dans quelques instants... Je crois que... Je crois qu'elles sont là. Oui, j'arrive. Ah, soyez les bienvenus. Bienvenue dans ma maison. Venez, entrez. Attends, mon maman. Maggie, nos invités sont là. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bienvenue. Bonsoir. Je vous présente Maggie. Okay. Elle est chargée de tout dans cette maison, y compris ma vie. Oh. Oui, voici Kaïma. Et elle, c'est sa mère. Enchantée. Oui. Enchantée, soyez les bienvenus. Merci, madame. Je vous en prie. Oh, asseyez-vous, s'il vous plaît. Ok. Merci. Soyez les bienvenus encore. Ok. Soyez les bienvenus. Ah, je pense qu'elle va nous apporter quelque chose à manger. Ok. Allez, les filles. Bien. Pose-le là. Okay. Pose-la là. Voilà. Allez-y, merci. Les filles. Je vous en prie. Ok. Je m'occupe de ça. S'il merci, vous plaît. Madame. Je merci vous... bien. Maman, doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Denzel, qu'est-ce que tu fais ici? Je vis ici, c'est chez moi. Oui. Je vois que vous êtes avec mon père. Attends. Quoi? Gérard est ton père? Oui. Effectivement. Tu le savais alors? Bien sûr que tu le savais. Maman, on y va. Attends, Kaïma. Reste. Qu'est-ce qui vous a pris de jouer avec moi? Mais attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends rien. Vas-y, mon garçon. Dis-lui maintenant ce qui se passe ici. Papa, je l'aime. Eh bien, il le sait maintenant et c'est clair. Je peux y aller? Kaïma, s'il te plaît. Écoute-moi, je sais que tu es confuse, mais je t'aime, tu dois me croire. Donne-moi juste une chance. Dis-moi, jusqu'à quand allais-tu me cacher que Gérald est ton père? Pourquoi tu ne m'avais pas dit que c'était de lui que tu parlais bébé, la dernière bébé, fois? Bébé, j'avais peur. Peur de quoi? Ouais. Il avait peur comme un rat. Bébé, j'avais peur de te perdre. J'avais peur parce que si tu avais su qu'on se connaissait, tu allais nous abandonner tous les deux. Et je ne voulais pas prendre ce risque. Je ne veux pas te perdre. Je ne comptais pas te l'arracher non plus. Oh, papa, voyons. Elle ne sera jamais à toi.
Kaïma est la seule femme que j'aime réellement. Et je ne pouvais pas l'abandonner aussi facilement à cause de toi. Oh, je suis content. Ça fait du bien de savoir que tu n'allais pas l'abandonner. Parce que si tu le faisais, alors tous les efforts que j'aurais fait pour vous mettre ensemble seraient un échec. Quoi? Quel effort? Mais... tu ne sais rien de nous, n'est-ce pas, papa? Bien sûr que je sais. Gérald! Je suis désolé, ma chérie. C'est vrai. J'ai organisé un rendez-vous et je vous ai mis ensemble. Et je t'ai trouvé un job. Rappelle-toi. Oh. Attends, mais... je comprends tout maintenant. Raison pour laquelle tu n'arrêtais pas de me poser des questions à propos du boss? Oui. Tu ne m'as pourtant pas permise de tomber amoureuse de lui. Je ne pouvais pas t'obliger à tomber amoureuse de lui si tu ne le voyais pas. Non, papa, arrête. Je t'en prie. C'est par hasard que j'ai su pour vous deux au restaurant. Non, non, fiston. Ce n'est pas vrai, fiston. Tu sais, lorsque je me suis rendu compte que tu commençais à t'intéresser à elle et que tu devenais trop curieux à propos de cette jeune fille qui me rendait heureux. J'ai donc su que j'avais réussi. Parce que je savais que tu étais vraiment décidé à savoir qui était cette fille. Écoute. Elle n'a rien à voir avec les filles que tu avais l'habitude de faire venir ici. Si tu l'avais abandonnée, je l'aurais prise. Parce qu'elle a perdu son boulot juste à cause de moi. Tu t'imagines? Cette fille a un très bon cœur. Et c'est grâce à vous. Tu sais, tout ce que j'ai fait, c'était de présenter une opportunité. Prier en espérant que tu saisisses cette chance. Et tu l'as fait. Félicitations, mon fils. Je suis vraiment heureux que tu sois présente pour assister à tout ça. Allez, venez, mangeons et buvons ensemble. Mon amour, désolé de t'avoir mise dans la confusion. J'avais juste peur, peur de te perdre. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aime énormément. Chut. Moi aussi, je t'aime. Non, c'est moi qui t'aime. Je suis vraiment désolée. Attends. Madame Rose, qu'est-ce qui se passe ici? Oh. On te sert quelque chose à boire? Elle ne veut rien boire apparemment. Allez, ça va, ne vous en faites pas. Prenez place et faisons la fête. Asseyez-vous.